Salut les amis, c'est Home Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 55 de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nous sommes à 5 épisodes des 60 épisodes, donc je vous le dis d'emblée, à partir de maintenant, chaque épisode sera ne dépassera pas les 10 minutes puisque on va terminer. Il nous reste 5 sanctuaires à faire. Attendez. Ou plus que ça, il nous reste 4, 5 ou même 6 sanctuaires à faire avant de faire les 100 et les 100 épisodes. Donc je pense que d'ici qu'on termine tous les sanctuaires du mont Hébra, je pense que l'épisode 60 on aura terminé. Et l'épisode 61 on sera à Vamedo. Alors ensuite, ce qui va se passer après Vamedo, donc on aura libéré les 4 créatures divines, donc ça veut dire qu'après il y aura l'eau de prodige. Mais comme l'eau de prodige se finit assez rapidement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des quêtes annexes, tout simplement. Voilà, on va faire des quêtes annexes, on va faire toutes les quêtes annexes que je n'ai pas pu vous faire en intégralité, et quand elles seront toutes terminées, on passera à l'eau de prodige. Je pense qu'ensuite, l'eau de prodige, il y aura déjà le plateau du prélude. Je vous rappelle que si je suis touché une seule fois, je meurs, donc... C'est un épisode qui risque d'être assez long, très long, qui va avoisiner les 30 minutes. Je vais essayer d'aller au plus vite. J'ai synthétisé parce que je me souviens en octobre, fin octobre, fin septembre, début octobre 2021, l'épisode avait fait presque une cinquantaine de minutes. Je sais que mon enregistreur ne supportera pas ça. D'ailleurs, à titre personnel, je compte changer d'enregistreur parce que c'est plus possible. J'en ai marre à chaque fois de charcuter les épisodes, donc je pense qu'à la rentrée 2024, j'aurai un nouvel enregistreur, donc vous serez tenu au courant, vous inquiétez pas. Enfin, on n'y est pas encore. Et normalement, mes pronostics, c'est que Breath of the Wild se termine définitivement pour cette chaîne. Courant février pour partir mars, voilà. Parce que je veux vraiment aller le plus loin possible. Donc je pense qu'on va battre le record non seulement de nombre d'épisodes et aussi en matière d'années, puisque il aura... Parce qu'on avait fait 7 mois de Breath of the Wild, là on est à 11 mois déjà de Breath of the Wild, donc déjà on a battu le record en matière de longévité et en matière de nombre d'épisodes. Je compte également surpasser, égaler voire même surpasser Skyward Sword, voilà. Je vous rappelle que demain il y aura un épisode de Oracle of Seasons et dimanche 2 épisodes. Donc samedi et dimanche, ce sera du Oracle of Seasons. Et on commence dangereusement à entrevoir la fin de cette épopée qui, ma foi, aura duré de 2 mois quand même. Voilà. Donc, et je vous le rappelle, c'est un jeu atypique puisqu'il y a 4 boss chinois dans les deux jeux, dans Oracle of Seasons et Ages. Voilà. Si vous voulez savoir qui est le véritable boss final, je vous renvoie à l'épisode 14 qui est sorti dimanche dernier. Et à l'épisode de... Oh merde. Bravo Julien. Ah putain, double bravo Julien. Bon bref, je vous renvoie, vous en serez un peu plus très bientôt quant à savoir qui est le véritable ennemi. Bien. Hop. Ok. Eh ben les amis, nous avons terminé ce premier sanctuaire, mais on va en faire un autre parce que sinon la vidéo va être très courte. Je vous l'ai dit, hein, jusqu'à la fin des sanctuaires dans Hébra, je compte également le tout dernier sanctuaire qu'on va faire après Vamedo. Je pense que chaque épisode aura deux sanctuaires. Il y en a un qui va être super chiant à faire. Et je sais que je vais pas mal galérer pour l'atteindre, donc ouais. Je pense sincèrement que on fera plus de 100 épisodes et je m'en délecte d'avance. Si j'égale mon record, bah ce sera une petite victoire parce que ça aura fait plus d'un an, donc c'est déjà quand même pas mal.
Alors, là, on va se téléporter, les amis, voyez. Et on va aller. Alors là, j'ai mis. Je vous montre un petit peu sur la carte tout ce que j'ai. Ah, attendez, alors. J'ai pas eu le temps de vous montrer, mais de ce que j'ai vu. Attendez, on va voir ça tout de suite à l'écran. Combien il me reste? Il me manque. Attends. Là, on est à 6. On a 106 sanctuaires. Pour aller à 20. Donc ça veut dire qu'il m'en manque 14 encore. Il manque. Je dois faire en tout 14 sanctuaires. Je n'ai pas compté 14. Hein. Enfin, qu'importe. Bon. Alors. Donc là, ok. Là, je répertorie les sanctuaires qui me manquent. Avec ce magnifique thème, Sheikah's Tower Theme. Ok, donc là je vous montre. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va pas? Il y en a plus que ça. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Il me manque encore des sanctuaires. Merde. Il me manque encore des sanctuaires. Ah putain. Bon. Ok, on va y revenir. Je vais voir en off un peu ce qui me manque comme sanctuaire. Et si jamais j'ai dit une connerie. Si jamais j'en ai manqué, je rate. Ah oui! Non, j'ai rien dit. Il y a un sanctuaire, c'est la lune de sang. Effectivement, voilà, c'est ça qui manque. Ok. Celui-là, on le fera pour le dernier sanctuaire. Voilà, c'est ça qui me manquait. Ok. Donc, du coup. Bah non, ça va pas. Bon, bref, je verrai en off et je. Je vais m'en occuper en off. Et si jamais j'ai dit une connerie, de toute façon, je vais rectifier ça. Donc, je vous le rappelle, avant de faire l'eau de prodige, on va faire toutes les quêtes annexes. Donc, ça va être de très très longues quêtes annexes. On va aller dans tous les. On va commencer par les auras. On va faire après les Gerudo. Après, on va faire les Goron et les Piaf. On va faire toutes les quêtes annexes possibles. De toute façon, je serai obligé d'en faire une. Pour débloquer un sanctuaire chez les Piaf. Donc voilà, donc, comme ça vous êtes prévenus. On va faire beaucoup d'explorations. Je vais vous montrer les endroits que j'ai pas pu vous montrer. Mais comme je le dis à chaque fois depuis 2 ans, on aura tout le temps d'y revenir. Nous sommes maintenant dans le deuxième donjon de cet épisode. Et écoutez, ma foi, bah voilà, je suis très content. J'avais dit que j'allais faire en fonction de la tournure des épisodes. Si jamais Ages se termine beaucoup plus tôt, eh bien, et que Breath of the Wild n'est toujours pas terminé, évidemment que il y aura un épisode le samedi de Breath of the Wild et deux le dimanche. Donc on terminera beaucoup plus vite que prévu. Mais à mon avis, ça m'étonnerait. Mais je préfère en tout cas vous prévenir si jamais il y a. Si jamais je finis beaucoup plus vite que prévu, Breath of the Wild prendra la place. Donc le jeudi, il y aura. Tears of the Kingdom, et le vendredi, il y aura Breath of the Wild, le samedi aussi, et le dimanche aussi, voilà. Ça, vous êtes prévenus. Bien. Excusez-moi, j'ai vérifié un truc. Ok. Alors. Donc là, c'est très simple. Et pendant que je... De toute façon, vous savez comment faire. Et pendant que je termine le sanctuaire, eh bien, il va être temps de se laisser les amis. Et il en sera de même jusqu'au dernier sanctuaire du jeu. Non, j'ai fait n'importe quoi. Si l'épisode t'a plu et que tu souhaites en voir plus de vidéos, tu n'hésites pas à t'abonner à ma chaîne Home Game, à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel, à partager la vidéo, à activer la petite cloche pour ne rien louper de ma chaîne, à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram HomeGamer9 et à t'abonner à mes chaînes secondaires et tertiaires Home Music et The Rise of the Elements, puisque je suis le batteur-chanteur de ce groupe qui a sorti une maquette disponible sur SoundCloud. On se retrouve vendredi prochain 18h pour l'épisode 55, 56 et peut-être 57. Il y aura peut-être deux épisodes où on va
continuer la quête des de la finition des sanctuaires du côté des bras. C'est les sanctuaires qui sont les plus chiants à trouver et les plus casse-pieds. Mais ça compte dans mon 100%. Les amis, je vous embrasse bien fort. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité depuis maintenant plus de 2 ans. Et à vendredi prochain. Allez, salut tout le monde. Gros bisous.